Téléstar, pourquoi avez-vous accepté de participer à la spéciale Miss des Reines du Shopping? Nathalie Marquet, je voulais me retrouver avec mes camarades mais surtout me battre pour mon association, Actebo. Pouvez-vous nous en parler? Cette association vient en aide aux enfants handicapés. En fait, on donne des aides aux parents dans le besoin. On leur paye des médicaments et on leur fournit du matériel. En participant à l'émission, on a la possibilité d'offrir 10 000 euros et CIST une belle somme. J'aimerais décrocher le titre mais les autres Miss sont redoutables. Vous avez 450 euros et 2h30 pour faire votre shopping. Ce n'est pas évident. Je fais mon shopping environ une fois par mois et je ne calcule pas même si j'ai une limite. 450 euros si est très bien mais difficile comme budget. Le tout en 2h30. En plus je partais avec un handicap, j'avais 3 fractures du pied donc ce n'était pas évident. En accompagnant mon fils se faire vacciner à l'hôpital américain j'ai raté une marche. Que pensez-vous du thème jouer avec la transparence? CIST une très bonne idée pour les Miss. Sur le coup on ne comprend pas, on a peur d'être vulgaire ou de faire un faux pas mais en fait il y a plein de possibilités comme utiliser un voile, du tulle, laisser apparaître son ventre. Jean-Pierre Pernaut a-t-il son mot à dire sur votre look? Pas du tout. Ni mes enfants d'ailleurs. Ma fille me dit parfois que j'ai des goûts de chiottes et mon mari me dit toujours que je suis jolie donc si est-il parfait. Rire. Moi je fais toujours mon shopping toute seule car je connais bien ma morphologie et je sais ce qui me va. Quelle candidate redoutez-vous le plus? Sans hésitation, Clémence Bottineau. Elle est au top. Il y a aussi Camille Serre. CIST une jeune femme qui ose et ça CIST admirable. En cas de victoire, pourriez-vous envisager de partager vos gains? Pas pour toutes les quatre mais je pourrais partager avec Amandine Petit car elle défend l'association France Alzheimer. Dans mon entourage, il y a des soucis par rapport à cette maladie. CIST une maladie terrible autant pour les personnes atteintes que les proches et j'aimerais qu'on avance dans la recherche. Loading Vijay.